Alors, je vais faire très rapide. Bonjour à tous. On a eu plein de problèmes ce matin, on en parlera plus tard. Mais là, on va se faire tatouer. On vient d'arriver à Camden. Et voilà. Regardez mon tatouage. Oui, 5 jours. Non, elle a dit qu'il fallait l'enlever sous la douche, si on avait du mal. Regardez mon tatouage, vous êtes tous jaloux. Tu vas te faire tatouer. Ton tour. Bah écoute, moi je saigne. Mon cœur saigne. Tchatcheuse. Du coup, trigger warning pour les personnes qui ont peur du sang. Mais regardez. Je saigne. Oui, ça se voit pas beaucoup, mais s'il y a des gens qui ont peur du sang. Et après, on va aller manger. J'ai dit à Mehdi que je voulais aller manger dans la pizzeria vegan. Voilà. Du coup, on a fait très rapidement ce matin parce que, nous étions de mauvaise humeur. On était ronchons. On était ronchons, un mélange de grognons et de ronchons. Mais hier soir, c'est aussi pour ça que j'ai pas fini le vlog parce qu'on était ronchons. Non, hier, on était vénères. Bref. Hier, on était de très mauvaise humeur, hier soir, après la comédie musicale. Et ce matin aussi. J'ai vu, ça m'a tellement saoulé, j'ai supprimé Twitter. J'étais tellement du boulot que j'ai dit allez hop hop hop, ciao. Et moi j'ai bloqué des gens. Bref, là n'est pas la question. Un cerveau pour deux. Donc voilà, on est dans un restaurant vegan, dans une pizzeria qui est vegan de A à Z. Genre tout est vegan. Et c'est Maëva qui m'a donné l'adresse. Merci beaucoup. Je vous dirai si c'est bon. Parce que moi, si c'est vegan. C'est la meilleure. Ah ouais? Tu es vegan. Oh, on aurait dû prendre deux pesos et une margarita. Ah, bref, on a fini les tatouages. Oui. Et en fait, du coup, on a des secondes peaux et tant mieux parce que vu qu'on prend le bus ce soir, on va pas pouvoir se doucher et du coup faire tout ça. Enfin, tout le nettoyage, machin, là, et on va pas plus de fontaine. Du coup, demain, on sera chez moi. Donc, ça sera cool. Rasé. Je sais que t'as rasé, j'ai vu. Mais je lui ai dit, c'est la première fois que je m'a jamais rasé. Alors, demain, quand on sera chez moi, on vous fera un unboxing de ce qu'on a acheté au studio Harry Potter, de ce qu'on a acheté à la comédie musicale, les livres, vous avez déjà fait le unboxing. Ah mais non, mais ils vivent toujours pas, parce que j'allais dire qu'on est par la période de Noël, parce que ça doit être trop beau, mais on doit se peler le cul en laissant moi ici. Et alors? On est comme ça en prochain. Ouais, bien sûr, regarde-moi bien. Je vais t'insulter si fort pour aller. Elle vient de taper sur mon tatouage. Je saigne, Coralie, je souffre. Je suis dans la souffrance. Oui. Bref, du coup, là, on mange à la pizzeria. On va se prendre un café parce que je n'en peux plus, les gars. Pareil, et les yeux, mes yeux se ferment. Tu sais que je vais m'endormir sur la table quand il est tatoué. Après, on enlève mes potes. Je sais pas si vous vous souvenez de Mehdi, un mec que j'ai rencontré quand je suis partie en Grèce.
On l'a rencontré à Paros, du coup bah, il habite à Londres, donc on va le retrouver tout à l'heure. Je suis du coup à 3 tatouages maintenant. Et il s'est moqué de mes 2 autres tatouages, ce gras. Moi je suis à combien de tatouages? T'as beaucoup trop gras, je ne sais pas. Ok. On n'est pas dans la merde. Je pose la caméra parce que franchement, étant qu'elle compte tout, je vais avoir une crampe. Comment station 19? Pas important. On vous a montré les bagues qu'on a achetées hier, en fait. Bref, moi c'est elle. Et bon, on a acheté la même, quoi. Ma foi, ça a l'air plutôt bon. Regardez, il y a des cadenas et tout là. Oui. Hello vlog. Hello vlog. I feel honored to be in the vlog. I am the vlog. You are the vlog. The vlog is me. And the vlog is you. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that it'll be all. C'est juste trop beau. Il y a des tags partout. This is so pretty. Du coup là on visite. On visite un peu, on est avec le pote de Lola, bah, vous l'avez vu. Mais du coup c'est trop bien, genre. Regardez. Tout ça. C'est incroyable. I only text you when I'm drunk. Du coup voilà, on passe une trop bonne journée, après-midi. Je suis un peu triste de partir, je vous avoue. Il y a une voiture qui arrive, je vais me faire écraser. Quick, comme dirait certaines. Lol. J'espère que le vlog vous plaît. Bien enterré. Il y a des petites librairies et tout, genre des petits bookshops et tout, ça a l'air trop mignon. Il y a plein de trucs vintage par contre, bon évidemment on n'achète pas parce que bah, déjà on n'a plus de sous. De deux, on n'a plus de place. De trois, on n'a plus de place. Bah go hein. Oui. J'ai ma mélodie et tout. Elle est SpongeBob. Ah ouais. I'm conversation. Oh, it smells so good. You say salut as cheers. What do you say when you want to cheers? Santé. Chin chin. Chin chin. Which means penis in Japanese. Yep. Hello, hello, where?
Why do you know that? Because I've been told. Est-ce que c'est bon? Ça me fait penser à un qu'on a en France que je prenais souvent quand j'étais gamine. It was the start of my sophomore year. I had my broken heart. You were my biggest fear. Great then. Watch me run out. Of all the right things to say, still finding reasons to stay with you. Give you a call. Il est actuellement 18h54. Nous sommes à Victoria Coach Station parce qu'on va prendre notre bus. On a passé une bête d'après-midi. On a ensuite récupéré nos affaires, qui étaient un endroit où on dépose là, les affaires pour la journée. Bref. On les a récupérées. Nous avons donc mon sac à dos qui n'est pas posé sur mes épaules pour des raisons évidentes. Mon tote bag, la valise pleine de livres, le tote bag de Coco et son sac à dos, Ken Coco. Notre bus est dans 35 minutes. On arrive à Paris à 6h du matin. J'ai froid sa mère. Et bref, et du coup... c'est quoi cette tête? Là on attend. On attend, on va rentrer bientôt. Parce qu'il fait froid. Et qu'il commence à pleuvoir. Et du coup, on s'est acheté 2-3 conneries. Nos sacs sont blindés les gars. Genre vraiment tout est si lourd. Genre mon tote bag est super long, mon sac à dos est super lourd. La valise elle pèse 2,5 tonnes. Il y a des cris à Londres. Hein. Mais dis la raison. Hein. C'est que ça craint. Hein. Mais non, c'est juste parce qu'on est samedi, du coup il y avait des manifs. Par rapport à la Palestine, ils ont réagi. Enfin, moi j'ai pas vu de manif. Mais Mehdi nous a dit qu'il y avait des manifs aussi. Ah ouais? À Londres? Pas de prendre avant de partir. Ah! Avant de partir à Londres. Ok. On fera peut-être une vidéo dans le bus, ok? On fera de la ASMR. Ce qui est totalement faux parce que je ne veux pas mettre des miasmes de bus. C'est mort. On vous retrouve tout à l'heure. On a un bus à 19h30, on arrive à Paris à 6h et on se retrouve sur le chemin dans tous les cas. De toute façon on va se retrouver sur le ferry. Voilà, on se retrouve sur le ferry au moins. Tortue Ninja. Keeping the Attends, kids, je zoom. Keeping the kids off the streets. And respectful life. Voilà, on a tous eu un avec Mehdi aussi. Hop, le mien est là. On en a eu un avec Mehdi. Et Coco a payé pour nous trois. Quick, la Lola. Coucou, on est actuellement dans le ferry. J'ai la lumière bien blanche, bien jaune en face de moi là. Mais bref, on vient de manger. Et c'était une terrible idée. Parce que on s'est dit bon c'est bon en fait, on va démarrer le machin, non. Il bouge pas, genre il est chill. Ben que nenni, nous avions tort. Parce que concrètement, waouh, c'est qu'il nous était à peur. Bref, concrètement, le bateau il fait comme ça. On va mourir. Genre on est sur la digestion, notre bateau fait comme ça.
PLS. Ah, j'ai envie de dormir du coup, moi j'ai froid. J'ai envie de mourir. T'as envie de mourir? Ouais. Moi j'ai envie de... j'ai froid en fait. Je pense que ça pourrait aller mieux si j'avais pas froid. Franchement, il n'y a pas à avoir froid comme ça, genre il faut froid partout tout le temps. Bref, je vois pas. Je peux même pas savoir comment me tarde d'être dans ton lit demain. Ah, je te jure, moi aussi. Ah, bah si, t'inquiète, je sais, j'ai froid. Moi j'ai froid. Du coup, j'ai hâte d'être dans mon lit parce que j'ai froid. Et que dans mon lit, il fait chaud. Ah oui, ça c'est pareil, il y a trop de gosses dans ce bateau. Genre, il y a une salle de jeu pour enfants, t'appelles. Arcade. Ouais, l'arcade. Bref. Du coup, encore une mois. Mais la nourriture, c'était bon. Le wrap était bon. Et voilà. On a pris des carottes et du houmous. Les carottes étaient dégueulasses. Le houmous était trop bon. Voilà, j'ai pris des wraps. Ah. On se retrouve plus tard pour savoir si nous avons survécu ou pas. À Paris. Ouais, est-ce qu'on a envie d'être à Paris, Coralie? Ah, moi j'ai trop hâte qu'on rentre à Bordeaux, putain. Mais je pense aux 4 étages. Ouais, les 4 étages vont être hardcore. Je montrerai mon sac, je redescendrai pour la valise, je pense. Tu monteras petit à petit. Ça va être fun. Ouais. Tranquille. Mais le truc c'est que à la base on avait un bus pour rentrer à Paris et waouh, j'ai vraiment une tête de pain sucé. On avait un bus pour rentrer à Paris, mais il a été annulé. Et en fait on en a pris un plus tôt. Ce qui fait qu'on devait arriver à 6h à Paris. On est arrivé à 5h30. Du coup en fait notre train il est à midi. On est arrivé à la gare à 6h15. Donc on a 6h en fait. À Montparnasse. Concrètement, ça fait un an que je fais la blague de je vois plus Montparnasse que ma mère. Bah là, c'est vrai. Je viens d'aller me chercher le petit déjeuner parce que femme capable, je m'en ai pris des pains au chocolat et des croissants. Et je me suis pris un café. Mais Coco n'aime pas le café. Je me suis pris un café parce que s'il n'y a pas 18 000 quantités de sucre, elle le boira jamais. Et de la vanille, etc. etc. Et moi, j'ai juste pris un allongé. Voilà. Bref. Moi aussi je vais être allongée, mais ça c'est que je fais vraiment pas confiance à cette gare, genre pour qu'on ferme les yeux toutes les deux. Du coup bah je suis en mode reste réveillée. Voilà. Bref. À tout. Nous sommes rentrés enfin. Ça fait à peu près une heure qu'on est rentrés, non? Il est 16h35. Ça fait à peu près une heure qu'on est rentré. On s'est posé un petit peu. On s'est posé avec la coloc de Lola, avec Lenny. On a papoté. Et du coup, là, Lola. Attendez, je vous tourne. Lola a sorti ses bouquins. Je pense que je vais faire un côté gay. Aristophane, gay, Emily Dickinson, gay, Maeva, les livres sont tous héros, mais bon. Le reste. Eddie Kyoko, gay. Tu crois pas? Je me souviens plus, Lola. Ah non, pas gay. Pas gay? Non. Canoë, Kayak? Pas gay, oh putain. Bon, Aladdin, on sait que c'est pas gay, hein. Who knows? Vous êtes tous tout petits, là, vous faites même pas la même taille, vous m'énervez pas faire la même taille. Pourquoi vous êtes pas tous d'accord sur une taille? C'est tout, j'ai acheté que ça. À deux doigts de m'endormir. Hein. Ouais bébé.
I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushed in against me. Et j'ai oublié les Percy Jackson. Donc c'est pas fini. Mais non, je fais de la SMR. Tiens, non. Tout ce que j'ai acheté là, c'est la même taille. Ouais. Déjà. Venez ce qu'on mange ce soir devant LOL ou Mamma Mia. Des sushis, les gars. On va manger des sushis. La quête des Woulan, ici et ici. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Et que ma mère a commencé à arrêter de changer mes draps, je voulais pleurer. Du coup, à chaque fois, je t'en dis oh, j'ai pas eu le temps de le faire. Oupsie. Chips, t'as le droit de parler. 1-1. Bob. You see her walking down the boulevard. Oui, mais toujours là. Mais ça, à chaque fois que je suis en train, j'ai peur qu'ils partent. J'en ai deux qui sont partis au lavage, non? Bon, bah alors. Harry Potter. The boy who lived. Oscar. T'arrêtes de draguer mes abonnés. Je vois. C'est un dark. Le mio est mignon. Dans ton cul. Pour être sûr de ne pas les perdre, le placard en haut à gauche. Dans ton cul, Coco. J'avais pas entendu la première phrase. Moi je te dis des conneries quand même. Quel placard en haut à gauche. Ou alors j'arrête de fumer. Et bonsoir. On est de retour, du coup il est... Pour jouer de mauvais tour. Il est 21h18. Ah ouais, je crois qu'il était plus tard que ça. Non, il n'est pas si tard que ça, on est juste très fatigué. On mange des M&M's qu'on a acheté à Londres. Shocking. On boit une tisane aussi. On va vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté. Vendredi, on est allé au studio. J'ai acheté une petite chose. Une moyenne chose, une grosse chose. Pourquoi j'ai acheté que des petites choses? Moi j'ai acheté que des petites choses. Mais vas-y, monte tes petites choses. Alors, le petit packaging, on adore. Du coup, il y a écrit Exceptionally Ordinary. Et derrière, il y a écrit Luna Lovegood. Et bien évidemment, quand je les ai vues, j'ai craqué. Mais surtout quand elle avait déjà prévu de. Si je vois les lunettes, je les achète. Et si je vois le tote bag, ce qui n'a pas été le cas, je les achète. Attendez, parce que j'ai les confettis de Midi Musical. Si les petites lunettes. Ah merde, mais j'aime. J'adore. Ensuite, j'ai trouvé un petit. Je pense que bah, ouais, je pense que c'est à mettre dans le sapin. C'est regardez. C'est bah, Luna encore. Luna. Luna, comme vous voulez. Mais du coup, je vais l'accrocher à mon mur, parce qu'il est trop beau. Et ensuite, je me suis acheté un petit pin's Hufflepuff, parce que je n'en avais pas. Et à chaque fois qu'on va dans les magasins, soit à Potter, en fait. Ouais, en France, les Hufflepuff ils sont pas aimés. Du coup, attendez, il y a encore. C'est pas que vous êtes pas aimé, c'est que effectivement. On n'est pas assez représenté. On n'est pas assez représenté. Mais du coup, j'ai pris ce petit pins. Il est mignon. J'espère qu'il est à l'endroit. Ouais, comme ça. Je le trouvais trop beau. Et moi, du coup, j'ai acheté exactement le même pins, mais du coup de ma maison, donc de Gryffondor. Je le trouve trop mignon. Ensuite, j'ai acheté. Bon, ça, je ne l'ai pas acheté, on nous l'a donné. Moi, je sais pas où il est. J'ai le passeport du tour. Où, bon, alors, on n'avait clairement pas le temps, du coup, on ne l'a pas fait. Mais il y avait tous les trucs en fait, il fallait mettre des tampons. Et en gros, c'était à chaque fois que tu voyais la marque des ténèbres, tu avais des endroits où il y avait des tampons, blablabla. Et bref, et à la fin,
Il y avait un mot de passe à deviner. Le mot de passe était Horcrux. Facile, il donne la réponse à la fin. J'ai acheté une petite carte postale avec la carte du maraudeur. Ah oui, c'est vrai. Avec la carte des maraudeurs. Du coup, voilà. Je réalise que nous sommes un peu loin. Voilà, là on est bien. Ensuite, j'ai acheté. Craquage de slip. Mon bébé. J'ai acheté une baguette. Voilà, une baguette. Et c'est la baguette de Rémus. Genre, vraiment, mon fils, ma bataille. Du coup, j'ai acheté la baguette de Rémus. Et je suis très contente. Et je vous la montre. Parce que... elle est trop belle. La voici, la voilà. Elle est trop belle. Genre, vraiment, genre, elle est trop belle. Là, là. Du coup, voilà. C'est à moi. Daddy, je veux un écureuil. Non, mais elle est vraiment très belle. En plus, elle pèse bien son poids. Ouais, mais ça, c'est à cause de ça. Là. Ouais. Bref, du coup, je suis trop contente. Et il y a des petits détails là. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des petits détails ici. Et bref, enfin bref, je la kiffe. Du coup, je suis très contente de cet achat. Ensuite, alors à la base, c'est pas celui que je voulais. J'en voulais un autre. En fait, à la base, je voulais le pull de Ron. Genre les pulls que Molly, elle tricote. Je voulais celui de Ron. J'hésite entre Ron et Harry. Mais je voulais quand même plus celui de Ron. Et du coup, j'allais prendre celui de Ron. Et en fait, il y avait que triple XL. Et il m'arrivait au genou. Ou genre XS. Et je rentre pas dedans. Du coup, bon bah... voilà. Et du coup, j'ai pris celui du Quidditch. C'est pas celui du Quidditch, c'est celui du Quidditch. Enfin bref, j'ai pris celui-ci. Donc de ma maison, bien évidemment. Et je l'aime déjà d'amour. Et Lenny, elle me dit je l'ai pas essayé. Elle m'a dit il est trop grand pour moi. Mais si, je l'ai essayé. Je l'ai essayé, coco. Mais d'accord. Non plus. Mais oui, il est parfait. S'il est parfait sur les manches, il est parfait partout. Avec mon petit pyjama citrouille en dessous. Voilà, du coup, je suis contente. Et bon, la qualité, bon, c'est gratuit quand même. C'est sûr. Mais évidemment que c'était sûr que c'est gratuit. Mais c'est pas le genre de truc que tu m'en débarques en tout. C'est le genre de truc que tu m'en sur ta manchon en tout. Mais bref, du coup, voilà. Donc, j'ai mon petit pull Harry Potter. Et si jamais vous... je fais 1m60, ça c'est du M. Et ça me va, si jamais vous voulez un ordre d'idée. Pour ceux qui ont envie de commander en ligne. Lol, je sais que ça arrive. Du coup, voilà. Et du coup, bref, on est allé voir la comédie musicale de Frozen. Et du coup, bah, on a craqué. On a craqué notre livre, vraiment. Non mais vraiment, déjà, on a toutes les deux acheté ce livre. À la base, moi, je savais pas si c'était gratuit ou si c'était payant. Puis on nous a dit que c'était les photos... genre officiel de la comédie musicale. Du coup, bon, on l'a acheté sans connaître le prix parce qu'il était évidemment pas noté. Et bref, et on a remarqué qu'en fait, nous, on n'avait pas vu les mêmes acteurs qu'il y a. Enfin, on les a vus, je pense. Elle me parle pas. Hein. Non. Mais celle qui joue Elsa d'habitude, c'était pas la même. Et elle était incroyable par contre. Mais bref, enfin, en vrai, cette comédie musicale était incroyable. En fait, c'est tous les décors et tout. Enfin bref, c'est les photos officielles de la comédie musicale. Voilà. Bref, du coup, on a acheté ça. Ensuite, on a acheté... il est où le mien? Il est là. Tu l'as sur toi? Les colliers... d'Alza. Collier d'Alza. Collier d'Elsa et Anna. Donc le mien il est vert. Moi il est bleu. Voilà, en gros c'est. C'est bleu, bah c'est celui d'Elsa. Et du coup on a toutes les deux le même. Mais juste pas la même couleur pour Elsa et Anna. Et ensuite le craquage. Mais vraiment je comprends pas pourquoi on a fait ça. Mais. On s'est pris les peluches. Elles font un petit peu peur. Bah c'est juste j'ai pas l'habitude d'avoir des poupées comme ça moi. Genre moi quand j'étais petite on se moquait de moi parce que j'avais pas des poupées, enfin j'avais pas des doudous normaux, genre comme tout le monde. Ah moi j'avais des poupées corolles,
coup, les poupées dures, tout ça, là, moi, j'avais pas eu des poupées trop comme ça, là. Et pareil, j'avais eu des Barbie, mais je jouais pas avec. Enfin, je préférais plus mobile, mais bref, là, n'est pas la question. Mais du coup, on s'est acheté ça. Ça me fait trop rire. Genre, en vrai, elles sont trop mignonnes. Désolée, la luminosité est vraiment nulle à chier, mais genre. Bref, quoi. Genre, il fait nuit, tout ça. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je chante. Parce que j'ai une chanson dans la tête là, ça me. T'as quoi dans la tête? Une chanson de K-pop. Ouais, elle est un peu. Elle est un peu bancale la mienne, hein. Regarde sa tête. Et toujours le point levé, baiser la lune. Là, regarde les étoiles. Parce qu'elle dit oui à la vie. Regardez mon mouni. N'est-il pas trop mignon? Hop, je l'ai déjà montré, mais regardez-le. Il dit quoi avec ça? Avec sa petite baguette! Et parce que Mouni, c'est Rémus Lupin, hein. Regardez-le. Je suis complètement folle. Bref, on a acheté tout ça. Aujourd'hui, la journée a été longue, les gars. La journée a été très longue, surtout pour moi. On est arrivé du coup à Montparnasse à 6h. Et notre train était à midi. Ouais, notre train était à midi. Du coup, on devait attendre 6h. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 6h? Moi, j'ai fait dodo. Le truc, c'est que hors de question qu'on dorme toutes les deux à Montparnasse avec nos affaires. Parce que sinon, on se réveille, elles sont plus là. Donc, moi, je devais rester réveillée. J'ai réussi à la garder éveillée pendant 10 minutes pour que je puisse aller fumer. Après, je me suis rendormie. Même. Mais vraiment, je suis revenue. Elle a fait d'accord. Et elle s'est endormie. Et à un moment donné, je tourne la tête et je la vois complètement endormie, donc avec la capuche et tout, comme ça. Genre, vraiment, genre, comme ça. Avec le téléphone dans la main, genre, limite, encore un peu en l'air. Comme ça. Je suis là, d'accord. Mais bref, Coco a dormi pendant ces 6 heures. Moi, je sais pas. À un moment donné, je me suis assoupie 5 minutes et je me sentais déjà mal. J'étais là en mode. Et bref, du coup, Coco a dormi à ce moment-là. Elle a dormi dans le train. On a pris un Uber. J'ai un peu somnolé dans le Uber. J'ai une photo. À chaque fois, genre, moi je dors 5 minutes. À chaque fois, on prend voilà, les photos pendant que je dors. Alors que je dors 5 minutes à chaque fois. C'est une dinguerie. On est rentré en Uber du coup. On a papoté avec ma coloc. Ça, on vous l'a montré. J'ai rangé mes livres. Ça, on vous l'a montré. On n'a pas fait grand chose. Et après, on a commandé des sushis. Oui. Et on les mangeait devant ma mamia. Et après, on a fait son lit. Après, ouais, on a changé mes draps. Et voilà. Et là, on va continuer à regarder ma mamia. Je sens qu'elle va s'endormir demain. Je pense pas. C'est ma mamie. Je suis là à chanter. Je suis trop occupée à chanter. On verra ça. Mais du coup, là, les gars, on est dimanche soir et nous sommes rentrés à Bordeaux. Ça veut donc dire que c'est la fin des vlogs de Londres. Ouais. La DPL, elle est violente. Là. Ouais. Dépression post-London. Sachez que nous sommes très tristes d'être rentrés. Ouais. Mais le pire, je crois que ça a été le trajet. Ouais. On a passé quasiment 20 heures dans les transports. Ça, moi, j'ai dormi dans ce café. Putain, je l'ai réveillé ce matin à la gare parce qu'il était 11h45 et que la plateforme avait enfin été annoncée. Elle me dit déjà. J'étais complètement dans mon dodo, moi. Et moi, j'avais envie de la frapper. Je comment ça, déjà? Genre, moi, là, j'ai. En plus, il faisait moins 8000. Non, par contre, il faisait. J'avais. Froid. Dites-vous, j'ai ouvert mon sac à dos dans la gare pour pouvoir sortir un pull que j'ai mis en dessous de mon sweat. J'étais à ça pour claquer les dents, je chantais plus mes pieds, je chantais plus mes mains, tout ça, bref, n'importe quoi. Bref, et Coco qui me dit déjà quand je la réveille. Je voulais toute une patate. Mais c'est pas de ma faute. Le déjà, c'est de ta faute. Écoute, j'ai pas beaucoup dormi quand on était à Londres, donc. T'as dormi autant que moi. Il y a une nuit. Il y a une nuit où t'as pas dormi, mais c'est tout. Et l'autre nuit où tu t'es endormi avant. Non. Oh.
putain, je vais nous détester au montage. Du coup. Bon, ça n'a pas été un voyage si simple. Parce que on a eu beaucoup de problèmes. Je m'excuse parce que franchement, je me suis beaucoup plaint ce vlog. Mais, si on enlève l'absence de cuisine qui fonctionne et qu'on ne peut pas cuisiner, du coup, on a fait des courses pour rien. Si on enlève. Le premier Airbnb qui faisait peur. Genre vraiment genre ça, plus l'eau chaude qui a pas fonctionné pendant 24 heures, la cuisine qui fonctionne pas, donc on peut pas cuisiner. L'absence d'eau hier matin, il y avait pas d'eau. Genre il y avait pas d'eau qui coulait, des robinets. Genre on avait juste assez pour se brosser les dents. Ouais. Bon, si on enlève tout ça, qui sont que de bonnes raisons pour tenter de se faire rembourser une partie parce que franchement c'est abusé. Eh bien on a passé un putain de séjour. En vrai. Enfin j'aime trop cette ville. Franchement faut pas être choc-barre quand je vais vouloir y habiter. Bête de voyage. Ouais. Disons c'est la première fois qu'on part à l'étranger toutes les deux. Voilà, vous avez assisté à ça. J'espère que vous êtes contents. Mais voilà. On est rentrés, on est au chaud. C'était un putain de voyage. C'était cool. Nos tatouages ne sont pas montrables tout simplement parce que moi le mien est plein de sang et que. Trigger. Ouais, pas ouf. Je vous montrer ça. C'est très bizarre de se faire raser cette partie du bras par contre. Se faire raser le bras topo. Alors, c'est très bizarre. Peu importe combien il y a de vlogs, j'espère que vous avez apprécié les vlogs et apprécié ce voyage à Londres à travers nous. J'espère vous retrouver vite pour d'autres voyages. ah bah oui, on a déjà des voyages prévus, beaucoup plus courts par contre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce format de... Et j'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin parce que Lola est vraiment du sang. Like and subscribe. Pouce en l'air. Et puis voilà. Hein. J'ai envie de dire. J'espère que vous avez kiffé. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Kiffez vos dits. Éclatez-vous. Soyez vous-même. Aimez les gens. Respectez-vous les uns les autres. Et. Prenez soin de vous. Je vous kiffe. Bisous. À la revoyure.